Agnon sauvé, yo salissa, qui l'on l'a fait mourir, au salignon, son aboli. Juste une courte prière. Seigneur, laisse que ton règne vienne dans ma vie. Je te prie, prie simplement, Seigneur, que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans mon mariage. Que ton règne vienne dans ma santé. Que ton règne vienne dans mon travail. Demande que le règne de Dieu puisse intervenir dans ta vie. Que son règne vienne dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans tes études, dans ton travail, dans ta santé, que le règne de Dieu puisse venir s'installer. Parce que lorsque le règne de Dieu vient, il n'y a point de maladie, il n'y a point d'ignorance, il n'y a point de pauvreté. Merci beaucoup, Pasteur Claude. Thank you very much, Pasteur Claude. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. It's what the Lord has put in my heart. Particulièrement aujourd'hui, quand nous allons prier. Today, we needed to pray a lot. Et même le thème. Even the team qu'il a passé dans mon cœur, that he put in my heart, à la fin, il demande de beaucoup. And he's asking us to pray a lot. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, because God says, nous ne recevons pas, we are not going to receive, parce que nous ne demandons because pas. We are not asking. Amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre de deux cortèges. It's the meaning of two ways. Two motorcades. Deux cortèges. Motorcade. Celui de la mort. The one of death. Et celui de la vie. And the one of life. Et dis à ton voisin. And say to your neighbor. Je suis venu aujourd'hui. I'm here today. Pour rencontrer les cortèges de la vie. Amen. Je suis venu rencontrer les cortèges de la vie. Si celui de la gauche ne réagit pas, parle à celui de la droite. Amen. Cortège de la vie. Je suis venu aujourd'hui pour rencontrer le cortège de la vie. Alléluia. Amen. Et nous prenons dans le livre de Luc. And we take in the book of Luke. Chapitre 7, chapter 7, 11 à 17, 11 to 17. La Bible dit, says, les jours suivants, the next day, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Went to a city called Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Les seigneurs, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen. Il s'approcha et toucha de ses cœurs. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit,
jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Bien-aimés, nous aimerions nous aussi dire que Dieu a visité Salem. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Amen. Je dis, j'aimerais que nous aussi, nous puissions dire que Dieu a visité Salem. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je m'aimerais dire à la fin de ce culte que Dieu m'a visité. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Vous savez, lorsque nous étions à l'école secondaire, on disait que pour comprendre un texte, alors, il faut peut-être analyser les caractères des personnages qui sont impliqués dans ce texte. Et nous allons prendre un peu cette approche. And we are going to take that approach. Commençons par la femme. Let's start with the woman. Dans le texte, il y a une femme. In that reading, there is a woman. La Bible nous dit que c'est une veuve. That she's a widow. Il y a déjà un problème. So there is a problem already. Parce que aussi bien à ce temps-là que maintenant, lorsque tu es une veuve, c'est un peu comme si tu étais amputé. It's like you are lacking something. You're missing something. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, says, en plus du fait que c'était une veuve, not only she was a widow, elle vient de perdre she also lost son fils, her son, her unique son, my Lord. My goodness. Que se passe-t-il dans la vie de cette femme? In the life of this woman? Qu'a-t-elle fait? When she said, lorsque elle a perdu son mari, when she lost her husband, elle s'est certainement dit, she said to herself, qu'avec ses fils, that with this son, lorsqu'il grandira, when he's gonna grow up, il pourra pourvoir. So he's gonna be able to provide. Et voilà maintenant que son fils, that her son, l'unique, her only son, est mort. He's dead. Bien aimé, il sent apparently, que tout le monde se rencontre dans la vie de cette femme. All the misfortune are around that woman's life. Il semble qu'elle attire des grands mots dans sa vie. Il semble qu'il n'y a plus d'espoir. There is no hope. Elle est inconsolable. You cannot comfort her. En fait, si nous lisons Psaume 6, if you read Psalm 6, le verset 2 à 5, verse 2 to 5, Psaume 6, verset 2 à 5, Psalm 6, 2 to 5. Nous pouvons mettre ça dans la bouche de cette femme. We can put that in that woman's mouth. Comme nous pouvons mettre dans la bouche de n'importe qui. Like we can put in anybody's mouth in here. La Bible dit, the Bible says, aie pitié de moi, sorry for me, Lord, car je suis sans force. Because I have no strength. Guéris-moi, heal me, Éternel, Lord, car mes os sont tremblants. My bones are shaking. Mon âme est toute troublée. My soul is troubled. Et toi, Éternel, and you, Lord, jusque à quand? Till when? Until when? Jusque ça. Until when? Y a ici? Is there anyone? Quelqu'un? Somebody here? Qui dit? Who says? Jusque ça. Until when? Jusque ça quand, Seigneur? Until when, my Lord? Tarderas-tu à intervenir? Are you gonna wait to intervene? La suite de mes souffrances. The next step of my suffering. Je suis arrivé au bout. I came to the end. My Lord. Jusque à quand? Until when? Another word. How much can I take? Et dans Psaume 119. And in Psalm 119. Verset 81-83. La Bible dit, the Bible says, mon âme languit après. My soul is suffering. J'espère en ta promesse. I'm hoping for your promise. Mes yeux languissent après ta promesse. My eyes are tired of waiting for your promise. Je dis, saying, quand tu me consoleras? When are you going to comfort me? Y a-t-il ici is there anyone quelqu'un here, somebody, qui crie au Seigneur? Screaming to the Lord, ceci saying, est trop dur. This is too hard. C'est
C'est trop. It's too much. Je n'en peux plus. I cannot take it anymore. Lorsque vous lisez ce texte, when you read this, nulle part on parle anywhere, du nom de cette there femme. Is nowhere, we don't see the name of that woman. Pourquoi? Why? Pour que tout celui qui traverse, because for anyone who's going through this, pareille situation, same situation, puisse se reconnaître, can recognize themselves, he or herself in this dans la situation, vie de cette femme. In the life of this woman. Veuve, widow, vient de perdre son just fils. Lost her only son. Il n'y a plus d'espoir. There is no hope. Elle crie à l'Éternel. She's screaming to the Lord. Jusque quand? Until when? Yahweh. Quand est-ce que tu vas me when consoler? When are you going to console me? Tout autour de moi. Around me. Les gens commencent à se poser des questions. People are asking themselves questions. Où est son Dieu? Where is her God? Mais dans ce texte. But in this reading. Lorsque le Seigneur arrive, when the Lord came, il ne pose pas la question à la femme de savoir to ask, comment est-ce qu'elle est arrivée dans cette how situation. Did you get to that point? Peut-être qu'elle y est arrivée par elle-même. Maybe she got there by herself on her own. Mais bien aimé, but beloved, lorsque quelqu'un traverse when somebody is going through suffering, trials and tribulations, ça ne sert à rien de commencer no need to start par comment est-ce que tu es arrivé? By saying, how did you get yourself into this situation? Mm. Si tu peux aider la personne, if you can help the person, il faut d'abord l'aider. Help the person. Ensuite, tu peux poser la then question. Then you can ask that amen. Très souvent, often, nous regardons des bien-aimés. We are looking at our friends. Nous disons, we say, c'est certainement, certainly, for sure, qu'il a fait quelque he chose. He did something. Qu'elle a fait quelque that chose. That he seen. She did something contre Dieu. Against God. Talk to me, God. La Bible dit, the Bible says, Christ, lorsqu'il arrive, Christ, when he came, il a vu. He saw it. Alléluia. Amen. Bien-aimé Christ, beloved Christ, a vu. Saw it. So il a vu les larmes the tears dans tes yeux. In your eyes. Et des fois, and lorsque tu n'as plus de larmes when pour pleurer, tears, cry, il voit les larmes he sees the tears dans ton cœur. In your heart. Lorsque tu n'as plus de mots pour parler, you don't have any more words tu n'as plus speak. De mots pour crier, you don't have any word to scream. Il entend he can hear ton cœur. In your heart. Mm-hmm. He can hear your heart. Jésus. Parce que, because, comme le dit le psalmiste dans Psaume 139, verset 16, Psaume 139, verset 16, le psalmiste dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Le Seigneur sait là où tu es. The Lord knows where you are. Même si tout autour de toi, even around you, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. People can say what they want. Bien-aimé, laisse que ta fréquence let your frequency soit sur le Créateur. Amen. On the Creator. Amen. Parce que c'est lui qui because dit the one avant, before, avant même que tu ne sois formé before you were even born, dans les ventres de ta mère, before you were even in the shape in your mother's womb, je t'ai connu. I knew you. Et plus tard, la Bible dit on, Bible que says, Christ était pris de compassion. Was sympathized. Sympathize with the situation. J'ai besoin d'un Dieu. I need a God. Qui peut être pris de compassion pour moi. Who can sympathize with my situation? J'ai besoin des frères et sœurs. I need brothers and sisters. Qui peuvent comprendre. They can sympathize with my situation. Ma douleur. In my pain. Dans Psaume 116, verset 5, verse 5, la Bible dit, the Bible says, l'Éternel est miséricordieux, the Lord is merciful, merciful, et juste. Amen. Just. Amen. Just. Just. Notre Dieu plein de compassion. Our God is full of mercy. Alléluia. Amen. Jésus, ta grâce. Donc, lorsque Christ a vu so cette when femme, Christ saw that woman, il n'avait pas besoin he did not need to
qu'on lui explique la situation. The situation. Parce que la Bible dit the Bible says qu'il connaît. He knows. Il est omniscient. Amen. He knows everything. He sees everything. Il a été ému de compassion. He was emotional about his situation. He sympathized with her. On a lu tout à l'heure we read earlier, où quelqu'un se demande à quand viendra la consolation. Et Jésus dit à la femme, and Jesus says to the woman, ne pleure pas. Amen. Christ est en train de dire à quelqu'un Christ maintenant, is saying to somebody right now, ne pleure pas. Don't cry. Amen. Parce que dans Ésaïe 51, 12 à 13, 12, 13 il dit, he says, c'est moi, it is me, c'est moi qui vous console. It is me. Amen. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel of the man who's gonna die, et du fils de l'homme and the son of man, pareil à l'herbe who's gonna be dirt. Bien-aimé, peut-être que la chose qui te fait beloved, peur maybe the thing that is afraid who you are scared of fear d'un homme come from a man. Et le Seigneur dit and the Lord says, qui es-tu who are you pour avoir peur to be afraid de l'homme mortel of the man who's gonna die. Et tu oublierais l'Éternel? Did you forget about the Lord? Qui t'a fait? Who created you? Qui a étendu les cieux? Who expanded the Lord? Et fondé the heaven? Et fondé la terre? And created earth? Et tu tremblerais? And you are afraid? Incessamment? Often? Tous les jours? Every day? Devant la colère de l'oppresseur? In front of the anger of the man? Parce qu'il cherche à te détruire? Because he's trying to destroy you? Où est donc la colère de l'oppresseur? Where is the anger of the one who's offended? Ici, here, le Seigneur, the Lord, est en train de faire exploser sa gloire. Amen. His glory explode. Il regarde à ton problème. He's looking at your situation. Je trouve tout petit. And find it so small. C'est lui qui appelle la mort. Who's calling death? Le sommeil. Amen. Le sleep. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle la mort he's le sommeil. Death, sleep. Parce qu'il n'est pas impressionné because he's not impressed par l'étendue by the expansion de ton problème. Of your problem. Amen. Et lui-même il dit ici. And himself says, et tu oublierais l'Éternel? Did you forget about the Lord? Qui t'a fait? Who created you? Qui a étendu les cieux? Who created heaven? Et fondé la terre? And created earth too. Dieu est en train God de is saying that, brag about himself. Yeah. About himself. No. Baba Ford. Amen. 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 Yeah. Il dit c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Tout ce qui existe existe par moi. Amen. Et je suis celui qui appelle. Comme s'il existait. Amen. J'ai dit un mot. I said a word. Amen. Et la Bible dit, and the Bible says, le Seigneur s'approcha, the Lord get closer, toucha le cercueil, touch the coffin. Bien aimé, beloved, lorsqu'on t'a déjà mis dans le cercueil, when you were put on the coffin already, it's over. But there is a good news. Amen. Lorsque le cortège de Jésus, the rencontres. Meet you. Ça ne fait absolument rien. It doesn't mean. Amen. On a déjà mis les clous. Il a les clous. Même si on t'a déjà mis sous terre. Lorsque il arrive. Même lorsque tu commences à chanter. Lorsque il arrive. Il va donner un ordre. Amen. Amen. Et ma prière and my prayer est que le Seigneur donne l'ordre pour toi aujourd'hui. Amen. For you today. Amen. Amen. Yahweh, Seigneur. Il arrive, il touche le cercueil. He comes and he touches the coffin. Et la Bible dit and the Bible says, ceux qui portaient le cercueil those who were carrying the coffin s'arrêtèrent. Stop. Alléluia.
Amen. Lorsque l'Éternel des armées se manifeste, tout autre ordre, toute autre puissance s'arrête. Amen. Quel que soit le problème, no matter what the problem is, quelle que soit la situation, no matter what the situation is, lorsque l'Éternel des armées, when the Lord of the army comes, be sure and present himself, tout le reste cesse. Everything else will stop. Bien-aimé, beloved, il y a ces principes de loi supérieure. There is this principle of superior law. Même en physique, even in physics, il y a le principe de loi supérieure. Yeah. Il y a des lois qui sont au-dessus d'autres. So there are laws that are above others. Ah, mon exemple, example, que j'aime bien, c'est la loi de la pesanteur. The law of gravity. Gravity. La loi de la pesanteur dit que tout ce qui va en haut doit descendre. Alléluia. Ah, mais il y a une loi de l'aérodynamique. La raison pour laquelle nous avons des avions, c'est parce que nous avons maîtrisé la loi de l'aérodynamique. Donc la loi de l'aérodynamique est au-dessus de la loi de la gravité. That law is above the gravity law. Et la loi de Dieu, and the law of God, est au-dessus de tout autre. Amen. Donc ces messieurs, so this man, ils allaient au cimetière, they were going on their way to the cemetery, pour enterrer to bury l'enfant de cette femme. To bury the son of that woman. Et ils arrivent en cours de route. And they are on the way there, in the et il y a un autre way, monsieur, there is another man, qui touche le cercueil. Who touched the coffin. Et tout le monde s'arrêta. Everybody else. Parce que là, c'est maintenant le Créateur lui-même. Amen. C'est lui qui appelle à l'existence. The one who called to existence. Les choses qui n'existent things pas. That do not exist comme yet, si elles étaient. Like they are already. Ça fait dans Ézéchiel 37. You know, Ézéchiel 37. Verset 1 en 5. Verse 1 to 5. Ézéchiel 37, 1 en 5. Ézéchiel 37, 1 to 5. La Bible dit, the Bible says, c'est le prophète qui parle, the prophet who speaks, la main de l'Éternel fut sur moi, the hand of the Lord was on me, et l'Éternel me transporta en the esprit, Lord transported me in spirit, et il me déposa dans les milieux d'une vallée, in the middle of the valley, remplie d'ossements, full of bones, dry bones. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, and here, ils étaient fort nombreux, there were many, à la surface de la vallée, to the surface of the valley, et ils étaient complètement secs. And they were completely dry. Alléluia. Amen. À quel niveau se trouve ton problème? In what level your problem is? Est-ce que c'est vraiment au niveau où c'est tellement sec? It's really in a place where it's completely dry. Il n'y a plus d'espoir. That there is no hope anymore. Et au verset 3, in verse 3, la Bible dit, the Bible says, il me dit, he told me, fils de l'homme, son of man, ses os, those bones, pourront-ils revivre? Can be back to life again. Ton problème, your problem, peut-il encore trouver une solution? Can still find a solution? Ta situation, your situation, est-elle encore curable? Can we still cure it? Et j'aime la réponse. And I like the answer of the prophet. Je répondis, I answer, Seigneur Éternel, tu le sais. Amen. Alléluia. Amen. Ça là, ce n'est plus au niveau des hommes. The level of men. Moi, je ne le sais pas. I don't know. Mais toi, tu sais Dieu. Mais toi, but you, tu sais. Amen. 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 Je suis sûr que Dieu a dit. I know that God says. Bonne réponse. Good answer. Parce qu'au verset 4, because in verse 4, le prophète dit, the prophet said, il me dit, he told me, prophétise sur ses os. Prophétise on in those bones. Et dis-le, and tell them, ossements desséchés, Bones dry, that are dry, dry bones. Bones. Écoutez la parole de l'Éternel. Listen to the word of God. C'est très important. It's very important. Écoutez la parole listen de l'Éternel. To the word of Lord of God. Il n'a pas dit écoutez ma parole. He didn't say listen to my word. Je sais pas si vous voyez. I don't know if you understand the difference. Parce que ma parole n'a because aucun pouvoir. No power.
Ma parole n'a aucun pouvoir. No, mais la parole du Créateur, tout ce qui existe, a des oreilles pour entendre la parole du Créateur. La maladie a des oreilles pour entendre la parole du Créateur. La pauvreté a des oreilles pour entendre la parole du Créateur. Les montagnes ont des oreilles pour entendre la parole du Créateur. Malédiction, curse, à les oreilles, pour entendre les paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, parle le Seigneur l'Éternel à ses hommes. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, make a spirit enter in you, et vous vivrez. And you will be alive. Amen. Alléluia. Amen. Les ossements desséchés. Bones that are dry. Dry bones. Éparpillés. Spread around. Et le Seigneur dit. And the Lord says. J'enverrai ma parole. I will send my word. Et par cette parole. And with that word. Vous allez recouvrer. Vous aurez un esprit. You're going to have a spirit. Et vous vivrez. And you will be alive. Et qui est la parole? And who is the word of God? C'est Jésus. Jesus Christ. Tout ce dont j'ai besoin, so all I need, c'est de rencontrer les cortèges de la vie, que Jésus Christ. Pourquoi? Why? Parce que dans Jean 11, because in John 1, 11, 25 à 26, 25, 26, la Bible dit, the Bible says, Jésus lui dit, Jesus told je suis la résurrection, I am the resurrection et la vie. And life. Celui qui croit the en moi vivra. Amen. Quand même il serait mort. Dead, et quiconque vit and whoever lives, et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et maintenant il pose la and question, question crois-tu cela? Oui. Amen. Yes. Yes. Ça c'est notre part. That's your part. Do you believe in the Lord? Bien-aimé, beloved, lorsque Christ, when Christ touche ses cercueils, touched that coffin, la réponse était immédiate. The answer is immediate. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beloved, il y a des situations, there are situations qui méritent une attention, immédiate. Amen. Immediate attention. Amen. Je ne sais pas à quel niveau c'est. I don't know in what level your problem is. Mais aujourd'hui, but today, dis au Seigneur, say to the Lord, je ne vais pas attendre demain. I don't want to wait tomorrow. Je ne vais pas attendre demain. I don't want to wait tomorrow. On vient de me dire. I was just told. Il y a une dame dans la Bible. There is a woman in the Bible. Qui a perdu son fils. Who lost her son. Tu as touché le cercueil. You touched the coffin. Et le fils est réveillé. And the boy woke up. Moi aussi, me too. Dans ma vie, in my life, il y a des aspects qui sont en train d'aller droit vers le cimetière. Straight to the cemetery. Il y a des aspects dans there ma vie. There are some situations qui sont en train d'aller au they cimetière. They are going straight to the cemetery. Mais parce que je suis venu aujourd'hui. But because I came today. On me dit que ton cortège est arrivé. I was told that your motorcade. Parce que because il est écrit. Because it is written that when two and three are together de ton around nom, your name, au milieu you are in a middle, you are around them. So I'm convinced ton cortège, that your mother gate, mother gate. Is ici. Is here. Moi aussi je suis venu. Me too, I came. Malheureusement, unfortunately, avec des cortèges, with mother gate, mother gate, mother. Model, okay. That's fine. Qui va droit au cimetière? Who's going straight to the cemetery? Ma prière. So my prayer. Et que tu m'arrêtes maintenant. That you stop Amen. Me right there. Amen. Et que tu redonnes la vie. And then you give life à ce qui est mort. To what's dead. Bien entendu, bien aimé. Beloved. Lorsque les deux cortèges se rencontrent. When the two cortèges meet, c'est toujours le cortège de la vie qui a la victoire. Amen. Lorsque le cortège de ténèbres rencontre le cortège de la lumière, c'est toujours le cortège de la lumière qui a la victoire. Amen.
pour toi. Amen. For you. Dans le texte, in the reading, il y a ceux qui portaient le cercueil. Some people were carrying the coffin. Bien-aimé, beloved, il faut t'associer avec des hommes et des femmes. You need to be around men and women. Qui ne te transporte pas vers les cimetières. Amen. Amen. Encore la papa. Amen. 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 Ne t'entoure pas avec des gens qui vont te transporter vers le cimetière. Seigneur ta grâce. Amen. Amen. Et nous en avons beaucoup trop plein autour. And we have many around us. Tu t'entoures des hommes et des femmes qui t'accompagnent vers le cortège de la vie. Amen. Nous prions que Jésus-Christ soit ton dernier stop. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, toi tu ne dois pas être programmé pour que le cimetière soit ton dernier stop. La foule. The crowd. La Bible dit. The Bible says. Tous furent saisis de crainte. All were afraid. Ils glorifiaient Dieu. They glorified God. Disant, saying, un grand prophète apparaît. A big prophet appeared among us. Et Dieu a visité son peuple. And God visited his people. Bien-aimé, ma prière est que ce que Dieu va accomplir dans ta vie, accomplish in your life, lorsque Christ, when Christ va arrêter will stop le cortège de la mort, motorcade of death, laisse que tous let all autour de toi, around you, dans ta maison, in your house, dans ta famille, in your family, dans ton travail, in your work, avec tous, all glorifiés. Amen. Amen. Et ma prière, and my prayer, est que le cortège de ta vie of your life rencontre meet le cortège de la vie en Jésus. Amen. Jesus Amen. 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 Amen.